Bonjour à tous, c'est Eve et je vous avais promis de vous montrer la petite application qui se télécharge sur mobile, donc aussi bien tablette que téléphone mobile, pour traduire directement et sans perdre de temps un texte d'une langue à une autre. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse pour les oracles et les tarots, c'est souvent en anglais pour du français. Voilà, donc c'est une application qui est gratuite, que tout le monde peut télécharger via son mobile ou sa tablette, qui s'appelle Google Traduction ou Google Translate, qui est disponible sur l'App Store ou sur le Play Store quand on est sur Android. Voilà, donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc vous voyez, j'ai ma tablette, elle est là, Google Traduction, donc je clique dessus. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Hop. Là, vous voyez que j'ai mes anciennes traductions, entre autres pour la guidance en ligne que je vous ai mise ce week-end, pour la semaine. Et vous, déjà, vous décidez des langues. Donc, vous voyez en haut, vous avez anglais, français, vous pouvez intervertir français, anglais, et vous pouvez même choisir d'autres langues. Il y en a beaucoup disponibles. Voilà, donc surtout bien faire vos réglages là et là. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de les télécharger, mais par défaut, elles sont en anglais et installées. Donc voilà, donc moi, on va dire que j'ai un texte, je me suis fait un tirage de cartes. Et je comprends pas ce qu'on me raconte parce que c'est en anglais. Donc je prends ma petite application, j'appuie sur l'appareil photo, il utilise l'objectif de mon appareil photo, je mets mon texte et vous voyez déjà, ça c'est la première solution, vous avez une traduction en direct. Sans faire de manipulation, c'est-à-dire que vous pouvez lire comme ça. Imaginons que vous voulez quand même une traduction que vous voulez garder, partager, copier-coller, je ne sais pas. Et ben, vous voyez, vous avez le bouton d'appareil photo ici. Vous cliquez dessus. Alors vous centrez. Je tente parce que là, je centre. Et je clique e-scan. Voilà, alors là vous pouvez soit tout sélectionner le texte, vous voyez, vous avez un bouton tout sélectionner ici, soit qu'une partie. Bon, tout sélectionner, je vais pas vous montrer parce qu'il va vous sélectionner tout le texte qui a été scanné, qu'une seule partie. Et pour ça, vous prenez votre doigt tout simplement et vous le glissez sur tous les mots qui vous intéressent. À partir de là, vous avez en haut la traduction qui s'est faite, vous cliquez et vous avez la traduction en direct ici. Voilà. Et vous avez évidemment, vous pouvez copier-coller, vous avez des options de partage ici, partager, envoyer par mail, faire ce que vous voulez avec. Donc voilà pour cette application. Il y a aussi une autre solution qui est d'écrire hein, sur Google Translate. S'il n'y a qu'un seul mot qui vous dérange, par exemple, ben vous allez plutôt ici. Et puis, on va dire, je ne sais pas, castel, château, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Il me l'a reconnu et vous voyez, il me l'a traduit en haut. Voilà pour cette application. Il faut savoir que moi, je ne suis pas très très douée en anglais. Cette application m'est fort utile, d'autant plus qu'en plus, elle me permet d'apprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise moins qu'avant. Il y a des mots, surtout dans le domaine des oracles et des tarots, qui reviennent constamment, donc vous finissez par les retenir. Donc ça devient de plus en plus simple et c'est une manière ludique d'apprendre l'anglais sur un sujet en se basant sur une passion qui sont en l'occurrence les oracles et les tarots. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.